Oh, ma che ti appuccica tutto l'addosso? Te levi la catena con i bracciali? Non è! Voglio morire con tutto l'oro addosso, come i faraoni! Ma faccia a noi! Se volete l'oro, può venire a pesca! Mi è venuto il torcicollo, devo buttare! Dai, va, diamo soddisfazione al popolo. Hackathon, d'abord, c'est le premier film de Pasolini. Évidemment, il y a une préoccupation sociale et politique qui est commune au néoréalisme et à Pasolini. Il a envie justement de filmer ses déshérités, de montrer la complexité de leur vie, la misère que génère aussi la société italienne. Mais il le fait d'une manière totalement différente. C'est personnages qu'il va filmer, il les aime, il les... D'ailleurs, bon, dans sa vie, ça a été des personnages très très importants. C'est aussi certainement ce qui a causé sa mort. Et il les regarde avec énormément d'amour, mais pas de compassion. Et c'est ce que je trouve déjà très très beau. C'est-à-dire qu'il les regarde, il est de plein pied avec eux. Et ce qu'il aime chez eux, c'est l'âpreté, en fait, de leur visage, de leur façon d'être, de leur langage. Et du coup, ça donne aussi un film très très âpre. Che sei mi madre? Oh, e che vino da don testa? N'hai trovato chi sfogato e te venghi a sfogare con me? Che te credi che te stasera non ci vai a lavorare? Non ti sarai mica messo in testa di sta qua. O sai che per te ne esiste mica la cassa mutua? Oh, oh, a bello di mamma tua! Non lo vedi in che stato mi trovo? Ma che ti credi che è un giochetto? C'ho la gamba rotta, sa? Rotta? Mi fa ride, rotta! Tu stasera darci e vai a lavorare come tutte le altre sere, uguale! La vita tua non è fatta per fare la signora, la vita tua è quella! Che te credi che mi ti sei comprato per più di sordi zozzi che mi dai al giorno? Ce qui démarque aussi le film du néoréalisme, c'est certainement une utilisation de la musique qui est très, très étonnante parce que très systématique. Je pense que la seule musique de Hackathon, c'est quelques mesures de la passion selon saint Matthieu de Bach, que Pasolini utilise de manière très, très affirmée. C'est-à-dire que ce n'est pas une musique de fond, ce n'est pas une musique qui se veut naturaliste, c'est une musique qu'il impose de manière très, 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 très forte en niveau sonore déjà, et toujours un peu en décalage avec l'âpreté justement des situations sur lesquelles elle est montée. Comme pour justement rendre à la réalité une sacralité qu'on ne serait plus capable de voir, quoi. Moi, ce qui m'interroge toujours, c'est de me demander, mais comment est-ce que Pasolini, marxiste, revendiqué et même presque théoricien du marxisme à travers ses écrits, peut concilier ce marxisme avec cette recherche de sacralité. Et en fait, je pense que ce qu'on peut ressentir en voyant le film, c'est que pour lui, ce sous-prolétariat est un petit peu le dernier bastion d'une sacralité un peu primitive, alors qui est faite de superstitions, mais aussi d'images à la limite de l'imagerie Saint-Sulpicienne qu'on peut avoir de la religion catholique, et que cette sacralité-là, il la voit comme une espèce de moyen de résistance à une... disons d'abord à un embourgeoisement de la société, et puis à une espèce de rationalité qui, elle aussi, est bourgeoise parce qu'elle est efficace. Et que là, d'un seul coup, on est face à toute une micro-société qui échappe à cette recherche de d'ordre et d'efficacité. Et là, d'un seul coup, je trouve qu'on arrive à relier ce marxisme et cette sacralité-là, quoi.
Pasolini ne cherche pas à être logique dans sa dans son récit. Je pense qu'il plutôt qu'une narration efficace ou réaliste, disons, il préfère une narration plus poétique qui va nous parler différemment et d'ailleurs ça a donné lieu à des quiproquos dans la façon dont les gens voyaient le film à l'époque, peut-être continuer à le voir, je sais pas. C'est qu'on a mis tout ça sur le compte de l'inexpérience. C'était son premier film, il n'avait jamais même été sur un tournage avant, il le dit lui-même. À chaque fois qu'il tournait, il avait l'impression de réinventer le cinéma. Mais en réinventant le cinéma, il réinventait aussi un nouveau langage qui justement retrouvait un petit peu cet aspect très primitif du langage, comme la peinture primitive italienne le faisait. Et j'ai l'impression que, grâce à ça, il atteint une émotion poétique que j'ai l'impression d'avoir rarement éprouvée dans une salle de cinéma.